Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à My City Roll and Write. Il est fait par Renner Kinesia, illustré par Michael Menzel et édité par Yello. Il se joue de 1 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter My City Roll and Write. Donc, nous avons déjà fait et parlé de My City, le jeu de base. Et donc, cette fois-ci, nous allons vous présenter My City en version Roll and Write. Donc, la version tout simplement simplifiée du jeu. Mais vous allez voir qui permet une rejouabilité et des choses un petit peu différentes. Bienvenue dans My City Roll and Write. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et donc, voici tout simplement les fiches de jeu pour pouvoir jouer à My City Roll and Write. Donc, pour ceux qui connaîtraient My City, en fait, nous allons reprendre un petit peu la même chose que My City, le jeu de base. Mais donc en version Roll and Write, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, vous savez, dans le jeu My City, il y a des polyomino. Ben ici, nous allons en fait devoir dessiner des polyomino. Le but du jeu, nous allons lancer ici, c'est CD, tout simplement. Nous allons avoir la version des blancs qui vont symboliser les bâtiments. On va pouvoir avoir des bâtiments rayés, des bâtiments pleins et des bâtiments à croix. Et ces deux dés-là vont symboliser la forme du polyomino que nous allons devoir dessiner. Vous avez ici deux petits ronds qui vont venir former le polyomino. Là, par exemple, le polyomino que je dois deviner, c'est une ligne droite de trois cases. Si j'avais eu celui-ci, ça aurait été un petit L. Si j'avais eu celui-ci, ça aurait été un carré. Oh, et ainsi de suite. Là, j'aurais dû faire un carré et les bâtiments, c'est des croix. Le but du jeu, c'est un jeu en campagne. Donc là, nous allons vous présenter le chapitre 1, l'épisode 1, pour vous expliquer la base de la base du jeu. Le but, ça va être essayer de recouvrir, thématiquement nous allons construire nos bâtiments et nous développer en fait dans notre cité. Le premier bâtiment que nous allons devoir construire, nous allons devoir le construire adjacent à la rivière. Ça c'est la première règle à savoir. Et le but, ça va être essayer de recouvrir tous les foyers, ces petits rochers là. Parce que chaque rocher qui sera visible à la fin de la partie, ça sera moins un point. Sachant que vous voyez que les rochers sont doublés, donc moins deux points. A l'inverse, nous allons essayer de garder ces petits arbres face visible et ne pas les recouvrir le bâtiment. La déforestation, c'est vraiment pas bien. Parce que les arbres, c'est plus un qu'on a gardé. Vous voyez qu'il y en a certains, c'est double, donc plus deux. À la fin de la partie, chaque case qui sera restée vide, c'est moins un. Alors ici, nous avons ici une forêt et ici une falaise. Ce sont des zones inconstructibles. Nous n'avons pas le droit de mettre des bâtiments dessus. Donc notre tour de jeu, on va construire des bâtiments. Premier bâtiment adjacent à la rivière. Deuxième bâtiment adjacent à n'importe quel bâtiment qu'on a déjà construit, et ainsi de suite. À un moment donné, on va se retrouver un petit peu coincé. On a deux choix qui s'offrent à nous. Ou alors je dis je passe, mais j'ai envie de continuer parce que j'espère qu'une forme va arriver. Et à ce moment-là, je vais cocher ici le petit moins 1, et ça me fera moins 1 en fin de partie. Ou alors, je dis j'arrête. À ce moment-là, j'arrête complètement, j'ai fini ma partie, et j'attends que mon adversaire ait lui aussi fini. Une fois que lui aussi a fini, on additionne les points, et celui qui a le plus de points remporte l'épisode 1. Je dis remporte l'épisode 1 parce que le jeu est composé de plusieurs chapitres, et chaque chapitre est composé de 3 épisodes. Et à chaque épisode, nous allons venir rajouter des règles supplémentaires. Nous vous en parlerons lors du débrief et lors des fins de partie. Et donc là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de base du chapitre 1, épisode 1 de My City. Roll and Write. On commence la partie. Allez, ben nous allons pouvoir commencer la partie. Tout simplement, un joueur lance les dés et on est parti. Et donc là, le premier bâtiment que nous allons devoir faire, c'est un bâtiment plein, donc entièrement colorié. Et ça sera un grand L de 3 de long et de 2 de large. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce L
on peut le tourner, c'est-à-dire qu'il peut être comme ceci, mais aussi nous allons droit à la forme miroir. Nous avons tout à fait le droit de le mettre de l'autre côté. Voilà. Et Ce qui donc, s'était trompé la dernière fois. on va faire un premier L. Donc c'est Et un moyen L. alors, où est-ce que je le fais pour commencer? Attention, on triche pas. Alors, c'est là où l'art du coloriage est présent. Donc, nous avons fait le L au même endroit. C'est vrai? Ce qu'il faut savoir, c'est donc, comme je vous disais, donc l'image miroir est possible. C'est exactement ce qu'on vient de faire à ce tour. Et que les formes vont avoir des formes de plus ou moins rareté. Et il est expliqué ici que les petits L et les petits 2 sont des formes plutôt courantes. Alors que, par exemple, la forme U, comme a dit Gaëlou, ou alors nous allons pouvoir nous retrouver avec ça. Quand on a ça c'est le compas, c'est pour des règles ultérieures, donc il ne compte pas. Et là, par exemple, on va juste devoir faire un petit carré de 1. Ça, c'est une forme aussi assez rare à faire. Allez, je te laisse lancer Je les dés. lance les dés. Ah Oui, j'ai sorti une fiche. bah tiens! Voilà. Hein? On n'a pas eu besoin de relancer les dés là. Et donc là, par contre, à partir de maintenant, nous sommes forcément obligés d'être adjacents au bâtiment qu'on vient de construire. Ou à côté de la rivière opposée, du coup. Hein? Là. Oui, mais La règle adjacent au 1. bâtiment, tout à fait. Mais ça ne m'arrange pas des masses que ça sort en premier. Hein? Franchement. Hein? Le petit 1 là. Ici, ok. C'est Allez. petit carré beau. Encore un plein, Là décidément. ou comment ça se passe là? Alors, vous avez vu que dans cette règle, les bâtiments, on les dessine pour les couleurs, mais ils n'ont pas d'importance. Vous vous doutez bien que dans les chapitres suivants, ils en auront. En fait, c'est pas évident de pas être la feuille, elle est pas à côté de moi, alors je fais n'importe quoi au niveau du coloriage. Magnifique. J'essaye de m'appliquer, mais je peux pas. Bon, allez. À Ça. toi. Ting, 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 ting. Encore un bâtiment plein. Et c'est un Carré. carré. C'est une blague. Il sera idéal ici. En revanche. Oh! Oh là là. J'espère. Faire un petit 1, sinon mes pierres ne sont pas recouvertes. Ah, c'est bien aussi là-bas. C'est vrai que j'ai tout misé de ce côté, mais pas mal de faire l'autre, hein. Allez, va-t-on encore avoir un bâtiment plein? Oui, encore un bâtiment plein, décidément. Et une ligne droite de 3 cases. Plein. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup de le relancer le dé de maison? Alors dans ce chapitre-là, de toute manière, ça n'a aucune importance. Mais c'est abusé quand même. C'est hyper rare. Un Oh. bâtiment rayé et c'est un carré. C'est une blague. Commence déjà à râler. Je veux mon petit 1. Alors les 1, je rappelle, sont très rares. Je veux mon petit 1 quand même. À toi. Un 2 Un plein. 2 plein. Parfait. Je le mets où? Oh là là, j'ai remis, j'ai pas fait attention, mes deux là. Elle est en train de nous faire ce que fait Gaïlou. Il faut pas le Ne faire. faites pas ça chez vous. Punaise, c'est pas vrai. Les rochers, en fait, j'ai envie qu'ils restent, quoi. C'est un plein.
À toi de jouer. Yes. À moi de jouer. Un. Un avec une croix. Allez, on le tente là. Parce que là, je pourrais éventuellement faire un 2, donc. C'est une croix? Oui. Bah, Lyon. Une blague? Ah, c'est parfait! Mais il n'y a que de la chance, c'est pas possible ça. Il y a de la chance que pour la canaille. À toi. Allez, je lance. Un 3. Une ligne droite à 3 rayés. Oui, il y a 3, mais je me suis compris en fait. Un petit L rayé. J'hésite. Oh, je vais le faire là. À toi. Ah, c'est à moi. Un plein. Voyons, j'ai jamais fait autant de pleins dans une partie. Un deux Un deux plein. J'optimise mieux que les fois d'avant, mais bon, on verra parce que là, le U, il peut se placer. Oh, et encore, il peut même pas se placer là. À toi. Excusez-moi, je parle tout seul. Un L moyen. Un L moyen rayé. C'est parfait, ça. Oh, j'aurai encore un L moyen. Si je fais ça, je peux pas. Je peux pas. L moyen, mais je peux le faire ici. Rayé. C'est à moi? C'est pareil, vas-y. C'est à moi? Je sais plus, c'est pas grave, ça n'a pas une grande importance. Bah si. J'ai dit qu'il a commencé. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance vu qu'il en CV. Un carré, un croix. À toi, du coup. Oula. C'est un grand L. Le U. Un... Oh, punaise. Un U avec une croix. Je viens de me faire la réflexion. J'espère que j'aurai pas un U parce que je suis pas pour le placer. Je peux le placer, mais ça m'embête beaucoup. Moi aussi, moi aussi. J'aurais pas dû penser à ça. Ah non, là, ça va, Marc. Non, je vais avoir plein de petits trucs, là. Je peux même pas le placer là. Tiens, je triche. Je vais supprimer des bâtiments. Oui, bien sûr. Ouais. Pfiou. C'est un U croix. Je suis un peu deck quand même. Au revoir. Ciao la bise, mon arbre. Deux arbres en moins. Oui, 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 oui. Ça sent la défaite, ça. Ça sent la défaite en plus parce que. Là, j'ai que un 1. Vas-y. Là, je peux faire un moyen L. C'est une ligne droite. Oh. Une ligne droite de 4. J'ai pas. Ah, oh, zut. J'ai pas. J'ai... Moins 1. J'ai moins, en fait. Si, là, c'est bon, j'ai fait mon bâtiment. Ah non, punaise. Oh, j'avais oublié, lui, il est tout seul aussi. Oh!
Bon. C'est bon. Ok, à toi. Enfin, ça commence à être compliqué là, par contre. Tu vois les formes qui tombent. Un petit 1. Ouh, lolo, lolo. Regarde, je vais le faire là. Un et un plein. Bon. Ça y est, mes rochers sont... Attends. Toi aussi. Un 2. Avec une croix. On va dire ça. Ok, à toi. Aïe, 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 aïe. Un carré. Non, c'est pas un carré, c'est un grand L. Bah, allez, on fait un moins 2. Toi, t'as un moins 1, tranquille. Je vais tenter un moins 1, mais je pense que je vais pas trop prendre de risques après. À toi. Du moment qu'il sort, parce que là, c'est bien compliqué. Oui, le petit L, j'ai bien fait. J'ai pris le risque qu'il fallait. Parfait. Bon, là, il me reste une case de vide. Donc, où est fait le 1, où je passe. Bah, moi, j'ai deux cases vides de 1. Et un moyen L. C'est un 2. Ben moi, je m'arrête là. Je mets fin à ma partie. Moi, je peux continuer. Hein. Bien sûr. Oh, si c'est pas beau, ça. J'ai fait le 1, c'est une blague. Le 1 croix. Vas-y, hein, tu continues toute seule, manière. Petit L rayé. Oh punaise, je l'ai enlevé. Eh ben, j'arrête. Tu arrêtes. J'arrête. Ah, t'as déjà compté, toi? Alors, arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arbres. Les rochers, j'en ai pas. Et les cases vides, 3. Du coup, j'ai 16, j'ai 15. Hop, 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 le moins 2. Mais j'ai compté quand même. Il faut écrire moins 2 dans la case. J'ai 15. Ah non. Non, 11. 16 moins 5, ça fait 11. Je m'en rajoute des points tranquille. Et donc, je remporte parce que moi, j'ai fait 16. Puisque moi, j'ai une seule case de vide qui est ici. Et j'ai un moins 1 dû à ma pénalité de tout à l'heure. J'ai 16 points, tu as 11, donc je remporte cette partie. 16 à 11. Bien joué. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu de My City Run White? Alors, avant de vous dire ce qu'on pense, je vais finir de vous expliquer, en fait, la totalité du jeu. Parce que là, donc, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué les règles de base de My City. Il faut savoir que donc, le jeu se déroule en plusieurs chapitres, allant jusqu'à 4 chapitres et 12 épisodes en tout. Nous avons fait qu'un seul épisode, nous n'allons pas tout vous spoiler, ça ne serait pas drôle, mais je vais quand même vous expliquer les règles du chapitre 1 qui arrive sur la suite. Donc qu'est-ce qui nous arrive ensuite au chapitre 2? Eh bien il faut savoir qu'au chapitre 2, les bâtiments, ces fameux bâtiments que nous avons faits, vont venir marquer des points. On va marquer des points par bâtiment, par groupe de bâtiments adjacents, le plus gros groupe de bâtiments adjacents de chaque type. Si je prends l'exemple de ma fiche qui avait été présente ici, par exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais marqué 8 points supplémentaires pour les bâtiments pleins. Pour les bâtiments rayés, j'aurais marqué 1, 2 points. Pour les croix, j'aurais marqué 1, 2 points. Voilà. Alors bien évidemment, là j'ai joué cette partie sans placer mes bâtiments de manière stratégique. Dans le chapitre 2, du coup, nous allons jouer de manière plus stratégique. Vous voyez aussi une petite différence, peut-être qu'il ne vous saute pas aux yeux, mais les rochers ne sont pas du tout placés au même endroit. Et les forêts, les arbres ne sont pas du tout placés au même endroit aussi. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle règle qui vient se mettre à l'épisode 2 du chapitre 1. Ensuite, nous passons au chapitre 1, épisode 3. On garde les mêmes règles que... l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc toujours les rochers moins 1, toujours les arbres plus 1, toujours les bâtiments
qui vont marquer des points par le plus gros groupe, et on rajoute une petite case ici qui est le puits, qui est présent juste ici. Ce puits, pour marquer des points, il va pouvoir me rapporter 4 points de victoire. Mais pour marquer ces 4 points de victoire, il va falloir faire 4 bâtiments qui soient adjacents au puits. Il va falloir faire un bâtiment adjacent ici, un ici, un ici et un ici. Et à ce moment-là, je marque 4 points. Vous avez le droit, si vous voulez, recouvrir le puits. À ce moment-là, le puits ne fera pas marquer de points, mais voilà, vous avez le droit de construire sur le puits. Encore une fois, vous voyez que les arbres et les rochers ne sont pas du tout positionnés de la même manière. Voilà. Et je vais juste vous dire une dernière chose. Vous vous posiez peut-être la question, qu'est-ce que c'est que ce petit symbole compas? Ça va intervenir dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, il va y avoir tout simplement des églises. Les églises vont pouvoir être constructibles et les églises vont avoir des formes. Regardez, ici, vous allez avoir des formes qui vont pouvoir construire et donc ça ajoute de nouvelles formes, de nouvelles choses. Et elles évidemment, plus on avance dans le jeu, plus on a de nouvelles règles. On va avoir après des bandits, des pépites d'or et voilà, plein d'autres choses qui vont apparaître pour complexifier ce jeu et surtout nous faire jouer de manière différente. C'est un jeu qui se joue en campagne en fait. Quand vous avez commencé la partie, c'est très addictif. Vous avez vu, une partie, c'est environ 20 minutes. Les règles à apprendre, c'est 5 minutes. Très franchement, nous, quand on a joué, en une heure et demie, on a déjà fini le chapitre 1 et on avait attaqué le chapitre 2. Et en fait, voilà, ça va vraiment être très addictif. On a envie de continuer, de faire la suite avec un matériel hyper simple pour pas grand-chose et un prix très raisonnable. On est à 17€ le jeu. Alors, on est 17€, on a juste dedans 3D et ce calepin de feuilles. Hein. Il n'y a rien d'autre et un petit sachet voilà, pour ranger les dés. Donc, je suis pas sûre. Si, il me semble que si. Donc voilà, on est sur un jeu très basique, très simple. On est à la période des vacances. Pour moi, c'est un jeu idéal à amener en vacances. Vous pouvez jouer sur la plage, vous pouvez jouer dans le train, dans l'avion, encore une fois, un peu partout. Vous passez un bon moment. Vous pouvez y jouer jusqu'à 12 personnes. Alors attention, si vous jouez avec 12 personnes, les fiches, elles vont vite s'épuiser ouais. Par contre. Hein. Et donc, bah, ou au choix, vous plastifiez tous les épisodes plusieurs fois pour ne pas racheter un calepin. Ou alors, vous rachetez un calepin. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous rachetez un calepin, vous rachetez un jeu, en fait. Hein. Parce que dans le jeu, il n'y a que le calepin et les dés. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est un jeu que je vous conseille vraiment fortement. Je suis un grand fan de My City. C'est ce que j'allais dire, justement. Moi, j'adore My City de base. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Parce que je l'adore trop. Et je trouve qu'on retrouve le côté de My City du jeu de base. Ouais. Mais par rapport au My City de base, où cette fois-ci, on a des polyominos, on sait ce qui va arriver. On va programmer. Ici, il y a l'aléatoire des dés. Alors, on aime ou pas l'aléatoire, très clairement, mais l'aléatoire des dés, je trouve, est intéressant et rajoute un peu de challenge. C'est assez sympa de ne pas savoir ce qui va venir, parce que du coup, on joue plus rapidement, parce qu'on ne peut pas programmer, alors que dans l'autre, on va toujours réfléchir pour laisser les formes qu'il faut. Donc voilà, c'est un peu différent, ça ne se joue pas de la même manière, et surtout, au début, on a les mêmes règles que le My City, pour ceux qui connaissent, et plus vous allez avancer, et plus vous allez plus avoir les mêmes règles, et ça va changer. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bon jeu, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à y jouer avec les amis, c'est jouable à tout âge et c'est vraiment pas cher. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire sur My City Roll and Write. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.